Yeah. Ta da. Eh ben. Puzzle d'une certaine difficulté, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Ah oui, non, Zelda est grand. Hein. C'est un. Ah, c'est un Witcher, hein, c'est le Witcher Nintendo, hein, je pense. Oh. Faut faire attention. Ton camouflage, il est un peu pourri. Hein. Ah, enfin, ouais, t'avais de la pierre, c'est pour ça. Coupé. Arrête de faire ça. Allez, on y va. C'est bientôt la nuit en plus. Enfin, c'est la nuit. Qui c'est qui a fait wouhou? Qui a fait houhou? Quoi ça là-bas? Okay, encore un temps. Ah oui, là, je pense qu'on est bon jusqu'à septembre. Hein. Elle électrique. Mais on n'en avait pas déjà ça? Ah merde. Os de les Alphos, cet os vigoureux que vous avez trouvé sur un Stalés Alphos mort pouvant servir d'arme. Il reste fragile. Porté dans le dos, leur mouvement donne des frissons. Où es-tu passé? Je t'ai vu. Ah. Non, j'ai une faille, tu m'as trouvé. En fait, t'étais pas tellement discret non plus. On n'a pas une lampe? Ce serait bien d'avoir une lampe. Épée de soldat, mais vous êtes plein. Ça fait boomerang! Ça tue! Ah! Déjà trouvé ça. Ah mais y a rien en fait. C'était noir, je me disais ça a l'air d'un puissant fond. Non en fait non, il y a du fond et c'est moi qui voyais pas.
On va prendre des herbes. Par où faut passer? Je me rappelle pas que le village Cocorico soit sur un... C'est quoi ce bruit? Oh merde. Ah! Soit sur une montagne comme ça. Je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais on va trouver un chemin. Faire, parce que maintenant je me rappelle, on aurait dû trouver une tour en fait, parce que la tour va nous donner la carte, enfin la topographie du truc, parce que là on est en train de naviguer à l'aveuglette, qu'on voit pas la topographie. Ça faut faire des offrandes. Il y a des poissons. Yeah! Putain, mais je suis trop bon! Ça, c'est... magnifique, hein, quand même! Vous avez vu un peu cet esprit... ce génie du puzzle. Ah, revoyure! Ça vite. Bon. On va aller là-bas. Oh merde. Ah, ça là, elle bouge. Non 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 non. On va monter cette tour. Ouais, faut qu'on aille sur une tour et qu'on récupère la carte. C'est quoi ça? Bonjour. C'est un Zora ça? Non, c'est pas un Zora ça. Ah si, peut-être.
Non, ça ressemble pas, ils sont bleus, non. Je savais, vous êtes un Ilien. Vous faites bien un Ilien, mais vous n'avez pas de nageoires. Il n'y a pas que les Iliens qui n'ont pas de nageoires. Vous tombez vraiment très bien. Il se trouve que sur ordre du prince Sidon, je sais pas ce que c'est, je suis justement à la recherche d'un Ilien. Non, je n'étais pas du tout en train de faire trempette, je cherchais activement. Eh oui, évidemment. Oh. Le prince Sidon est le fils de la famille royale Zora. Ah bah si, c'est un Zora, ça. Il attend au pont d'Ingogo. Ingogo, peut-être. Ah, de l'autre côté de la grande tour, là-bas. Laquelle? Celui-là, celle-là devant ou celle-là après? Accepterez-vous d'aller à sa rencontre? Pourquoi pas? Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Il est vrai que tout cela est si soudain. Veuillez m'excuser. C'est qu'il s'agit pour nous, les Zora, d'une affaire de la plus haute importance. Pourquoi t'es rouge? Les Zora, ils sont bleus. Ça me perturbe. Je vous conjure de vous rendre auprès de notre prince Sidon. Et si vous le rencontrez, ne lui dites pas que j'étais ici en train de barboter dans l'eau. D'accord. Voulez-vous que je vous explique... non, ça ira. Fruit de lotus tempo. Ce fruit offre un plat... au plat les nutriments que la plante a puisés au plus profond de l'eau. Permet d'augmenter la vitesse de déplacement. C'est pas mal ça. Bon bah mince. On a une nouvelle quête. Ça y est, ça commence. Hameau des anémones. Ça y est, ça commence. On doit aller à droite, à gauche. Gauche, à droite. Non, non, non. Ah, Link, arrête de grimper sur tout ce que tu vois. T'as vraiment un problème. Bon, du coup, on fait quoi? On va à la tour. De toute façon, j'avais dit que je voulais faire la tour. Donc, tant qu'on y est... Ah ouais, pas mal. Tant qu'on y est, on fait la tour et on va voir le roi Zora là. Ça a l'air bizarre cet arbre. Mais j'ai rien dit. Monte dessus! Attends, ils ont une armure, hein? Yeah! C'est quoi ça? Mais arrêtez de m'attaquer! Oh. Oh. Attendez, j'ai ça.
Ça, peut-être que... Enfin, la foudre contre des cailloux... ouais, c'est pas ce que... Ouais, c'est pas très très intelligent. Bon bah, au revoir. Là. Ben, si ça c'est le royaume des auras, ils ont vraiment changé. Hein. Ils ont l'air un peu plus vénères. Non, c'est les lézards ça. Oh putain. Oh mince. Ah. Bonjour. Ah, trompette. On est en complète exploration là, je veux pas dire mais... Baudruche Octo, cette baudruche provenant d'un membre de l'espèce Octo est si légère qu'elle peut s'envoler. Vous pouvez même y fixer un objet. Elle l'emportera avec vous. Truite Volt. Les écailles de cette truite d'eau douce contiennent des agents isolants. Cuisinée, elle permet de supporter l'électricité. Donc on a ça. Intéressant. On pourrait s'en servir pour faire voler un objet. Ah, il y a des coffres partout. Pour le moment, il n'y a pas le tonnerre, ça va. Pas d'éclair. Wow, 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 wow. Lance de soldats. Non, mais pas. Waouh, comme il a lancé. Un entraînement rigoureux est nécessaire au bon maniement de cette longue lance, autrefois réservée aux soldats du château. Sa lame en fer est solide et résiste au feu. Oups. Où est la tour? Ah, ah, ah. Bon, ça m'avait l'air un peu plus proche que ça, mais apparemment non. Ouf, j'ai eu peur. Ah, on pourrait s'arrêter ici, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Vous, enfin! Clésol, c'est qui ça? Qui me parle? Hey! Ah, Zora. Mais ah, j'ai pas regardé son nom. C'est le même ou pas? C'est un Nilien! Vous êtes bien Nilien? Oui. Donc ça, c'est un autre. Je le savais. Allez voir notre prince. C'est bon, oui! Oui, oui.
Pourquoi vous êtes rouge? S'il vous plaît. Le pont d'Indigo en amont de la Zora. Le pont d'Indigo. Où tu le vois ton pont? Je le vois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est du poisson! J'arrive. Ah. Il m'a one shot! Cool. Après, j'ai un peu trop couru, j'avais plus d'endurance. Ce n'est point grave. Fait ça, on zappe. C'est un Ilien. On peut zapper ou pas? Non, on peut pas. Oh. Ouh. Ah là là. Eux ils s'envolent quand il pleut en fait, il y va. T'as l'air super vénère toi en fait. Oh non! Pas dans l'eau! Oh, ok. Ah! Oh la vache. On y va. Une perche grillée dont le rhum et le goût sont enrichis par la cuisson à la flamme. Voilà. Une pierre 7 coups. Pourquoi il y a une croix rouge? C'est pour indiquer... Je sais pas pourquoi il y a une croix rouge sur la map. Pour indiquer le feu de camp, mais c'est pas exactement le feu de camp. Oh mon dieu. Là, pas ça. Violent. Ouais. Je sais pas si on prend le bon chemin. Ouais, oui. Y a pas d'autre. Y a pas vraiment d'autre chemin en fait. Mmh.
Oh putain. Oh la vache. L'arme que t'as toi. J'ai été sûr que j'allais me faire one shot. C'était obligé. C'était obligé. Vu la taille de l'arme. Fait tout. Surtout la conversation, on sait jamais si c'est... C'est quoi le mode expert? J'ai vu qu'il y avait ça dans le menu, mais ça dit pas exactement ce que c'est en fait. On est reparti. Ah. Boum. C'est la difficulté qui augmente, les mobs sont plus durs et t'as plus de loot. Oh. Ok, on va voir ça après, on verra ça après. Je suis pas encore très très loin du jeu. Tous les mobs régènent quand tu commences un fight. Et genre au bout de 5 secondes, si tu les touches pas, ils régènent. Ah, si tu les touches pas, ils régènent. Non, pas ça. Aïe. Ça a l'air intéressant. On va peut-être relancer ça après en fin de stream, on va voir. Parce qu'après c'est vrai que oui, le jeu est facile. Enfin c'est un Zelda, hein, c'est pas un Dark Souls, donc pour moi ça me choquait pas, mais. Mais s'il y a un mode... Attends, pause. Stopper ? J'ai jamais testé ça. Non, on peut pas.
Ça aurait été trop classe. Merde. Je pensais pas qu'il allait encore taper une fois. Plat douteux. D'où tu me touches? Là je dis bullshit. Hein. Ton arme était cool. Batapointe Moblin. Des os d'animaux ont été attachés sur un côté de cette arme à deux mains. Moblin augmente ainsi les dégâts infligés de l'adversaire. Yes. Et aussi, continue comme ça et super, c'est ton propre chemin. Découvre les hommes, ton propre chemin. À part du coup de... Ouais, je... Je suis en exploration. Là, on a un peu dévié de notre histoire, par exemple. On devait aller au village Cocorico, mais j'ai rencontré des auras qui sont rouges. Et pas bleues. Ce qui me perturbe un peu. Cristal de sel. Provenant d'une mer ancienne et un condiment indispensable en cuisine. Hein, quoi. Et on m'a dit d'aller voir le papa Zora, le chef Zora. Haha! Merde. Ça a pas touché lui par contre. Ah, cool! Il est tombé là. Ok, ça marche. Parfait. Ah, il n'y a plus de flèches. On va les garder. Non, on va pas le faire. Bouclier de lapin, le bouclier est apprécié des chasseurs des forêts dans sa simplicité, mais il n'est pas très solide. Le motif de lapin qui l'orne est une sorte de porte-bonheur qui attirerait le gibier. Qui attirerait le gibier, sympa ça. On l'utilisera pour chasser. On n'a pas un boomerang. Mince, elle est où ma masse? Je l'ai récupérée. Elle doit être sous l'eau en fait. Ouh, des flèches électriques. Imprégnées du pouvoir de l'électricité, électrocute tous ceux qui les entourent à l'impact et sont très efficaces quand ils sont mouillés ou en métal. Viscère de Moblin, l'odeur dégage des matériaux précieux et rend immangeable, mais il est possible de le faire cuire avec une grenouille pour faire des relais. On continue vers la tour. Tempo. Ah,
Oh merde, je l'ai balancé sans faire exprès. Ouah, elle est violente. Je... Du coup, j'ai envie de recommencer en expert. Où est-ce qu'on va? On tire dessus. Il est pas mort. Yeah! Aïe 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 aïe. Wow. Ok, il y a son pote qui est là. Salut oh. Tristesse, bienvenue. Un arc Zora peu puissant dont les auras se servent principalement pour pêcher a été conçu en métal. Et le plus robuste, qui paraît. J'aime Nox, certains pensent que cet étrange minerai qui brille d'une lueur bleutée quand vient la nuit serait la manifestation d'âme défunte. Il servira à la confection d'habits spéciaux.
Ok. Continue. Ah, nous avons un mec bleu cette fois. Ah merde, il m'a vu. Boum! Oh merde. Désolé. J'aurais bien voulu récupérer ça. Son arme. On y va. J'avance plutôt vite. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, il y a des rochers. Baguette de glace, dont on dit qu'elle aurait été conçue dans la glace de la chaîne des bras. Produit des vagues glacées. Oh mon dieu. Bah là on doit aller au village Cocorico mais on n'y va pas, on fait un détour. Donc... On fait un petit détour. Est-ce qu'ils m'entendent si je fais des strafes? Enfin l'autre il m'a vu. Mais... Ah, pop. Alors. Ok, on arrive près de la tour. Enfin. Prêt. On s'y approche. On va monter. Hop là, loupé. Ah, ça te fait chier, hein. Je monte sur ta tour. Tour de l'anel. On avance doucement. Ouais, on va peut-être recommencer en expert. Ouais, je pense. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on connaîtra le jeu, ce sera plus vraiment intéressant de le recommencer. Surtout que... Bon là, on est parti pour 100 heures de jeu, quoi. Oh la vache! Donc en fait, tout le monde réapparaît, c'est ça? Parce que je me demandais en fait comment les monstres réapparaissaient. Ah, non, ah putain, on peut sauter sur le côté aussi. Donc les nuits de pleine lune. Ah ouais. Pleine lune. Les nuits de pleine lune, les monstres réapparaissent. Intéressant. Yeah, on y est. C'était assez violent, je me suis dit, oh mon dieu, y a Ganon qui nous attaque déjà.